Puisque tu es là, je vais t'annoncer la nouvelle. Je me suis arrangé pour qu'une famille très respectable qui vit à Paris t'offre l'hospitalité. Aussi longtemps que nécessaire. Pardon ? Il est peu probable que ta mauvaise réputation soit parvenue jusqu'à la capitale. C'est suffisamment loin d'ici et de chez toi. Les marcheliers te présenteront à des personnes de la haute société. De cette façon, tu m'as dit que je pourrais rester ici. Alors, pourquoi t'es-tu ravisé ? Je crois que tu sais. C'est mieux pour tous ceux que cette affaire concerne. Pour ce qui est de faire disparaître la tâche, j'ai honteusement échoué. Pour mon plus grand déplaisir. Oh, ne me parlez pas de déplaisir. Vous avez réussi à me voir sans ma robe. En effet. Ça, ce fut un succès. Pour vous, je ne suis qu'un objet de plaisanterie. Non. Quelle idée ? Cela me semble évident pour que vous vous comportiez de la sorte. Vous ne saisissez pas tout ce qui est en jeu. Mes deux sœurs cadettes ne peuvent être mariées avant que je ne le sois. Ma famille a dépensé une fortune pour qu'un jour je puisse épouser un homme titré. C'est la seule chose qui leur importe. C'est ce pourquoi ils m'ont élevée, et si je suis liée à vous, ça ne pourra jamais se produire. Je sais ce que vous risquez, et ça ne m'est pas égal, car je tiens à vous, mais il n'est pas question de remettre en cause votre mariage ou votre rôle ici. Si jamais ça venait à se savoir. Une femme ici a vu sa réputation brisée pour un homme de sang royal. Imaginez-vous si on l'avait trouvé avec un commis. Pardon, mais quel déshonneur. Je comprends. Je vous laisserai tranquille désormais. Je ne vois pas pourquoi je ne peux rester à la cour. Pendant quelque temps, tout du moins. Marie pense que tu éprouves toujours des sentiments pour moi. Ce qui la trouble fortement. Et cela se comprend. Elle a raison. J'ai fait une terrible erreur en partant. Olivia, on savait bien que tu y serais contrainte. Que mes fiançailles étaient scellées. Les fiançailles se rompent parfois, tout comme les alliances. Mais pas celle-ci. La seule chose qui ait changé, ce sont mes sentiments pour Marie. L'homme que j'ai connu pensait d'abord à son pays. Ce qu'il ressentait passait après. J'avais beaucoup d'admiration pour toi à cet égard, pour ton sens du devoir. C'est l'homme dont je me suis éprise. L'homme dont je suis toujours éprise. Tu ne devrais pas dire cela. Si, il le faut. François, l'année que je viens de vivre a été une torture. Non pas à cause du scandale, mais parce qu'il a fallu que j'endure toutes ces épreuves sans toi. Sais-tu combien de nuits j'ai passé, étendue dans mon lit, à me souvenir de la façon dont tu me touchais ? Je veux rester. Et si ce ne peut être en tant qu'épouse, alors en tant que maîtresse. Car je préfère encore te partager avec une autre, ne t'avoir pour moi qu'en partie plutôt que ne pas t'avoir du tout. Tu me désires. Et je te désire tout autant. Je m'offre à toi, François. Tu peux disposer de moi. Comme il te plaira. Marie, que s'est-il passé? Pourquoi Olivia reste-t-elle? Non, elle s'en va. Mais dans un des appartements du château, on vit de sa malle retrouvée dans les bois. Tu fais probablement erreur. Elle prépare son voyage pour Paris. C'est une servante qui me l'a dit. Cette servante se trompe. Pardonne-moi. Je vais tenter d'en savoir plus, en toute discrétion. On dirait que votre amie a un nouveau collier. Quelle inconvenance de l'arborer ainsi. Je ne suis pas sûre de comprendre. J'entends par là que Kenna porte un collier dont m'avait fait cadeau le roi pour notre premier anniversaire de mariage, car elle est sa maîtresse. Non, vous devez faire erreur. J'en suis plus que certaine. Vous l'ignoriez ?